Eh bien salut à tous, c'est Vicky51Sort pour cette nouvelle vidéo sur l'article 13 sur YouTube. Pour YouTube, attendez, si je regardais mon téléphone, on m'a envoyé un petit message, article 13, voilà. Du coup, ok. Voilà, du coup l'article 13 qui est passé jeudi, pour les youtubeurs, pour nous, bah pour moi et les autres youtubeurs, qui a pour règle, voilà, de pas, les pédophilies, tout ça, pour les pédophilies et tout. Ok. S'en fout. Voilà. Alors du coup, je vais vous lire un petit article. On est gentil. Ouais, du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. On va parler un peu de l'article 13 parce que franchement, ça commence à nous énerver. Nous, youtubeurs et... Oh, désolé si je suis pas organisé aujourd'hui. Voilà, bah regarde, article 13, voilà. Voilà, alors du coup... Voilà. Article 13, qu'est-ce que c'est déjà? Article 13, c'est... la nouvelle directive sur le droit d'auteur. En fait, à la base... Nous, vous savez, sur YouTube, il y a des droits d'auteur sur les musiques et tout ça, c'est pour ça qu'on utilise des musiques non droits d'auteur. Et voilà, c'est parce que voilà, il y a le droit d'auteur, il faut payer tout ça. Voilà, et du coup, en Europe, quand il y aura les droits d'auteur... Attendez, je bois un petit coup, Coca-Cola. C'est pas un placement de produit. Voilà. Alors du coup, en Europe... Je vous explique, avec l'article 13, avec une musique copyright, la vidéo est directement bloquée. Genre, t'as pas la monétisation enlevée directement sur, comment ça s'appelle, sur la vidéo, une petite partie, tu vois. T'as pas la monétisation, tu vois. Du coup, l'article 13 nous servira donc à ça, en ce moment, pour l'instant. Parce que, franchement, voilà, c'est chiant pour nous. Parce que tu vois, on pouvait utiliser, tu vois, quelques secondes de musique, tu vois, parce que si tu parles au-dessus. Mais là, le robot, il va voir tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas faire, il va l'entendre. Si la musique derrière est copyright, pour ça que là, c'est une musique, mais elle est non copyright, je vous le rassure. Et voilà, attendez, ça me reste là. Du coup, avec cette musique-là, en Europe, ils seront obligés de le bloquer. Ah, c'est écrit là. Ah oui, mais non, mais vous, ça prend l'envers. Alors, je vais vous dire, ça fait plus concrètement, l'article 13 oblige les acteurs du web à négocier des accords avec les titulaires de droits. Ce qui veut dire qu'ils devront, par exemple, vérifier qu'une vidéo ne partage pas une chanson ou un contenu réagi aux droits d'auteur. Genre, une vidéo, voilà, que tu recopies, ta vidéo elle est bloquée. Voilà. Voilà, aussi, l'article 13, bah c'est pas... Il menace beaucoup, tu vois. D'emploi en Europe, c'est ce qu'ils crient. Et d'entreprises et d'artistes et tous leurs employés. Genre parce que tu vois, je vais vous dire, il y a Squeezie, tu vois, ou Kotaka Corp. Ils ont une entreprise, bah ça, ils sont menacés. C'est pas en mal que je dis ça, mais ils sont menacés à cause de cet article. C'est pour eux, YouTube. Attendez. En fait, YouTube, ils ont donné un petit nombre d'entreprises sur un grand contenu, tu vois. C'est des grandes entreprises et tout ça, et c'est les grandes entreprises du type contenu qui sont été retenues. C'est ce que je suis en train de lire en même temps que vous. Et le fardeau, c'est de la preuve du droit d'auteur sera trop lourd pour la plupart des créateurs indépendants. Genre, par exemple, nous, par exemple, bah, moi, tu vois, Vinke5100, attendez. Moi, je suis indépendant, tu vois. Et il faut que je fasse beaucoup plus gaffe au droit d'auteur que les autres, parce que moi je suis indépendant, j'ai pas d'entreprise, tu vois, c'est pas voilà, c'est pas tout ça, tu vois, je parle avec des écouteurs et tout ça, c'est pas une entreprise, mais t'inquiète, je suis même pas monétisé, alors pour te dire, il faut que je fasse plus gaffe, enfin, beaucoup plus gaffe. Et voilà, d'accord. On va parler de ça aussi, puisque voilà. Et puis c'est depuis la mise en place
de l'article 13, elle a dit que leur avoir déjà versé pas moins de 3 milliards de dollars. Genre, comme c'est pas notre faute, hein, les youtubeurs, compris moi, tu vois, les plus grands, je citerai pas de nom. Nous, sur les droits d'auteur, on arrive à tirer 3 milliards de dollars. C'est pour le droit d'auteur, tu vois. Article 13, il a réussi à récupérer ses 3 millions de dollars. 3 milliards de dollars. Et ça ne serait... Non, attendez, c'est pas ça, c'est j'ai dit une connerie. Ah oui, c'est YouTube qui a versé 3 milliards de dollars. Mais néanmoins, il ne sera pas suffisant si la nouvelle directive européenne venait à entrer en vigueur. Bah genre, YouTube, ils ont versé des sous. Mais c'est pas sûr que c'est suffisant. Ah oui, et ça aussi, parce que j'ai lu un peu avant, mais il faut que je m'en souvienne, parce que je suis sur la presse Citron, si vous connaissez. Et en fait, YouTube peuvent empêcher la mise en ligne de... avec l'article 13, peuvent empêcher la mise en ligne de votre vidéo si elle ne respecte pas la loi de YouTube, la nouvelle loi. C'est pour, voilà, c'est pour ça... Voilà. Et après, ça fait pour que des créateurs soutiennent la plateforme telle qu'elle existe aujourd'hui, YouTube les encourage à faire une vidéo sur l'article 13. Voilà, t'as vu. Et à la partager avec le hashtag Save Your Internet. Donc, du coup, voilà. Si vous voulez partager, partagez. Après, il y a une petite pétition aussi sur change.org. Rassemble déjà plus de millions de signatures. Et pourtant, YouTube, il est pas contre notre... Tu vois, nous, on est contre l'article 13 à cause de tout ça. Nous, on est... YouTube est pas contre un engagement avec nous pour que la loi, ça soit pas plus applicable. C'est ce que je viens de dire. Hein. Je vous lis, c'est peut-être des conneries, mais c'est ce que je dis, c'est ce que je lis. En fait, YouTube sont ouvertes à toute proposition avec des YouTubeurs. Voilà, du coup, oui, du coup, bah, ça c'est fait, bah voilà. On va parler un peu aussi des youtubeurs parce que j'ai vu sur quelques chaînes. Hop, on éteint. J'ai vu sur quelques chaînes. Comment ça s'appelle? Des chaînes de youtubeurs que. Tu vois, je comprendrais que l'article 13, tu vois, commence à partir de 2019. Bah, elle a été mise à jour jeudi. Bah, je crois que c'est jeudi, hein, dans les environs de mercredi à vendredi. Dans ces trois jours-là, mercredi, jeudi, vendredi. Et attendez, ça me gratte l'œil. Et tu vois, c'est ça que je comprends pas. Si tu mets une loi là, faut pas l'appliquer dans le passé. Si t'as les conneries que t'as fait dans le passé, tu vois. Tu peux, voilà, parce qu'il y a une vidéo d'un youtubeur, je sais pas si vous connaissez, hein, vous inquiétez pas. C'est Galax. En 2013, il avait mis la fin de Far Cry 3, tu vois, voilà quoi. Et franchement, là, l'article 13, ils l'ont mis à un strike. Et sachant qu'un strike sur YouTube, on peut en avoir 3. Et au bout de 3, t'es limité à 15 minutes de vidéo. Alors déjà, t'en chies pour faire plus de 15 minutes de vidéo. Moi, je suis pas limité à tout ça, voilà pourquoi. Du coup, voilà. Du coup, t'imagines, t'es limité à 15 minutes de vidéo. Alors que si t'en fais des vidéos... Il fait des vidéos d'une heure. Si tu fais une vidéo d'une heure pour faire, voilà, le watch time et tout ça. T'imagines que le gars, il est limité à 15 minutes de vidéo. Sachant qu'en fait, YouTube, il nous sanctionne, en fait. Pour notre paye, pour les grands YouTubeurs qui sont payés. Moi, je suis pas payé, hein, je vous rassure. Ils nous font des trucs comme ça. Du coup, c'est chiant. Mais c'est contre la pédophilie, parce que... C'est ce que j'ai entendu parler, hein, j'ai pas tout lu. C'est ce que j'ai entendu parler, YouTube. Avec l'article 13, t'as plus le droit de trop de mettre de dessin sur YouTube. Ça va, je suis adulte, voilà. T'as pas le droit de mettre adolescent avec toi, t'as plus le droit à la violence. Bah la violence, de base, t'as plus le droit. Tu vois, c'est genre, t'as plus le droit à rien, tu vois. Tu vois, même une vidéo torse nu, tu vois, que tu t'amuses dans la piscine ou un truc comme ça, t'as plus le droit. Alors du coup, voilà, c'est un peu chiant. Et voilà, bah oui. Hein. Placement de produits et tout ça, ça va encore. Cela, la directive employée, parce que j'ai l'ordinateur aussi devant moi. Et c'est quoi l'article 13? Le 12 septembre, tu vois. Le Parlement européen a adopté une... Alors...
Voilà, et article il y a article 11 qui crée une forme spécifique de droit d'auteur, voilà, le droit voisin. T'as l'article 13, et voilà. Du coup, voilà, on parle un peu d'article 13, mais c'est tout pour cette vidéo, voilà. J'ai dit qu'on allait en parler, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.